Réussir dans un secteur comme le vôtre, pour une femme, c'est assez remarquable. Emmanuel, si je vous dis Antea, ça vous inspire quoi? J'ai commencé là-bas quand c'était la Compagnie Nationale des Hommes, mais j'imagine que vous le savez. Stanislas Ribaud est très malade. Personne ne le sait, et la raison, c'est que Ribaud n'a pas préparé sa succession. Et c'est ouvert. Prendre la tête d'Antea? Devenir la première femme PDG d'un groupe du CAC 40. Comment tu peux accepter un truc pareil? Tu continues à... Parce que moi, je sais que tu es fragile. Est-ce que vous avez bien identifié votre ennemi? Baumel n'est pas un homme de réseau parmi d'autres. C'est le meilleur. Il faut trouver qui c'est. Et vite verrouiller. Non mais vous voulez me faire peur? On vous prépare. Il faut rencontrer les grands patrons de presse, sortir avec d'autres dirigeants. Il faut qu'on vous voit partout. Emmanuel Blachet, Jean Baumel. Il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez. Des compétences, peut-être. Le pouvoir, le sexe et l'argent. Et aucun mec ne cumule les trois, c'est deux max. Et toi, c'est le pouvoir et l'argent. Baumel va se déchaîner contre Emmanuel. Toi, voulu la guerre? Tout là. Je perds, des milliers de personnes sont au chômage. On parle de transfert d'argent contre des informations sensibles. Ce que tu viens de faire est un suicide médiatique. Pas d'affolement et pas de nervosité. On laisse ça aux femmes, d'accord? Quoi que tu décides, bonne chance.